Salut à tous, c'est Ivanel. Bienvenue dans ce Let's Play Axel World versus Sword Art Online. Précédemment, on a pu accéder à la partie souterraine de Flossild. Même si ce n'était qu'un avant-goût parce qu'on a encore la moitié de la zone qui est bloquée par la glace. Mais si on se concentre sur ce qui était réalisable, on a au moins pu remarquer qu'on a un nouveau donjon à explorer, la grotte gelée. Et qu'on a pu aussi avoir accès à de nouvelles quêtes soudaines. Donc par rapport à ça, au moins j'aurais décontaminé la deuxième île. Mais surtout je me suis bloqué. J'ai fait une petite fixette sur un boss précédemment. Parce qu'il a lâché une épée très puissante. Que j'ai équipée sur Kirito, Ophliette, qui est quand même une épée de rang 8. Et donc je voulais voir un petit peu s'il n'avait pas d'autres surprises pour nous. Et donc j'ai persévéré un petit peu de mon côté pour le retrouver. Et je l'ai retrouvé deux fois. C'était le boss Ran. Et franchement, sur ce coup, j'ai eu raison d'être têtu, je crois. Parce que j'ai pu récupérer quelque chose que je ne m'attendais absolument pas à trouver ici. Sur un boss niveau 200 et quelques. Donc voilà, épée à une main inhabituelle, épée à une main étrange. Et avec tout ça, j'ai pu récupérer Elucidator. Une épée de rang 9. Il y en a une qui est à 1100, l'autre qui est à 1300. Donc franchement, je trouve que ça valait le coup de persévérer un petit peu parce que trouver une épée comme ça sur un boss niveau 200, ça franchement je m'y attendais pas. Du coup c'est une très belle surprise. Parce qu'il y a d'autres moyens de la récupérer mais aussitôt dans le jeu, franchement, c'est plutôt pas mal. Donc en fait, bon je pense que vous connaissez cette épée, hein. Je pense que vous la connaissez, mais juste au cas où ce ne soit pas le cas, je le dis quand même. En fait, Elucidator, on va dire que c'est l'épée de Kirito, en fait. C'est l'épée qu'il a sur le début de l'anime Sword Art Online, sur Aincrad. C'est une épée qu'il finit par trouver, je sais pas comment, il n'y a pas trop de détails dans l'anime par rapport à ça. Mais disons que ça reste son épée, quoi. Sur pas mal, si vous regardez un petit peu des artworks de Kirito, on le voit très souvent représenté avec cette épée. Donc c'est pas n'importe quoi, on va dire. C'est pas n'importe quoi. Et dans les jeux Sword Art Online, c'est généralement l'une des meilleures épées du jeu à chaque fois. Du coup, c'est pour ça que je suis un peu surpris, parce que ce boss, on peut vraiment le trouver très tôt dans l'histoire. Hein. Attendez, ce qu'on va faire, on va retourner vite fait sur Flossild avant de commencer nos petites affaires. Et je vais vous montrer exactement où est-ce que je l'ai trouvé. Parce que le boss que j'ai fait, Ran, je l'ai fait dans les profondeurs de Flossild précédemment, mais c'est également un boss qu'on peut trouver en surface. Autrement dit, dès qu'on arrive sur la deuxième île, on devrait pouvoir accéder à cette quête soudaine avec le détecteur. Et puis ensuite, avec un peu de chance. Enfin, je pense que ce qui a joué surtout, ça a été l'anneau de Lapis pour détecter les... Enfin, pour avoir les objets rares plus facilement. Je pense que c'est ça qui a joué parce que je l'ai quand même récupéré deux fois, Elucidator. Et donc, si on met un petit peu les quêtes soudaines, bon là, elle y est pas. Mais on peut trouver une quête soudaine qui va se passer ici. Sur cette petite île flottante de glace, là. Donc en surface, accessible très tôt dans l'histoire. Et ici, on peut avoir cette quête soudaine avec ce boss, Ran. Il va apparaître là-bas au fond, devant Kirito, là-bas. Et donc en fait, on peut tomber soit sur Aidron, soit sur Ran. Si on tombe sur Aidron, malheureusement, on va pas drop... Elucidator, parce qu'Aidron, on avait déjà vu ses drops, c'était le sabre faucheur, je crois, son rare drop. C'est l'arme que j'ai donnée à Lifa. Mais si on a un petit peu de chance, on tombe sur Ran, et donc ensuite, il suffit d'avoir la chance de tomber sur son rare drop, et puis voilà, c'est fait. Non, franchement, je suis un petit peu surpris. Je suis un petit peu surpris, avoir une épée de rang 9 à ce stade de l'histoire, je m'y attendais pas. Du coup, c'est une très belle surprise, on va pas dire le contraire. Mais bon, malheureusement... Je vais attendre encore un petit peu avant de pouvoir en profiter d'Elucidator, parce que cette fois-ci, on va s'occuper de ce que j'avais prévu la dernière fois, c'est-à-dire la quête avec Sandpile et Silvercrow. Ça fait un petit moment que ça traîne. Il faut qu'on voie un petit peu ce qui se passe avec ces deux-là. Donc, Kirito, j'ai trouvé ton épée, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. Mais alors, du coup, si on est un petit peu égoïste, parce que j'ai trouvé Elucidator, c'est très bien, mais j'ai envie d'être encore plus égoïste, est-ce qu'on pourrait pas trouver Dark Repulseur aussi? Parce que l'un ne va pas sans l'autre, donc... Bon, on verra plus tard. On verra prochainement. Allez, c'est parti. Épisode annexe, mystification. Aroyuki et Takumu ont pris le monde d'Alo en force. Malgré les avertissements de Noir Neige, ils sont incapables de maîtriser leur curiosité.
Un combat aura lieu. Est-ce qu'ils sont prêts? Je pense que oui. Ça vaudrait le coup de le vérifier, mais bon. Ouais. Allons-y. Vérifions ça très rapidement, juste pour voir s'ils sont prêts au niveau de leur bonus d'attaque. Bonus d'attaque de rang 1. Comme quoi, j'ai bien fait de vérifier. Sianpile, c'est bon. Sianpile, c'est bon. Lui, pour le photodéployeur, c'est bon aussi. Mais le bonus d'attaque de rang 1, ça m'inquiète un peu. On va voir si on peut pas l'augmenter. Bon, je ne peux l'augmenter qu'une fois, mais bon. Voilà. Et avec ça, normalement... Voilà, qu'il soit au même niveau que Sianpile, 3 et 3. Ce sera déjà pas mal. Ok, cette fois-ci, on est parti. Épisode annexe. Voyons voir un petit peu. その妖精さんによると、その でも仕方ないな。じゃあそのクエスト一緒に行こうか。ただし2人で行けるところまでだよ。厳しそうだと思ったらすぐ引き返すからね。たく、お前ならそう言ってくれるって信じてたよ。実は僕も春が好きそうなクエストだなと思って下調べしてたんだ。 案内するからついてきて。え?もう場所知ってるの?やっぱりタクは頼りになるな。そんなことないよ。さ、行こうか。OK, allez Silver Crow et Sianpile. ここが噂になってたダンジョンだね。ほら、ここに掘ってある刻印が証拠だよ。 うん。わあ、なんだか燃えてきた。ALOはやっぱ探索アクション系のクエストが多いのがいいよな。まあ、僕らの世界は基本が対戦格闘だからね。ダンジョンもあるにはあるけど、定常のようにクリアさせる気のないような異常な難易度の場所ばかりじゃね。 Bon, ok, on se retrouve dans un donjon qui a une forme qu'on avait déjà explorée, je crois. Ouais, mais bon, en attendant, puisqu'on se retrouve avec Silvercrow et Sianpile, allons-y, voyons voir, base de données, Silvercrow. Ok, membre des Nega Nebula, c'est premier Burstlinker à acquérir une véritable capacité de vol dans Brain Burst, qu'il utilise avec brio en combat. Dans la vraie vie, c'est un garçon de 13 ans, petit, gros et timide. Il était un souffre-douleur permanent, mais depuis que Noirneige a remarqué son talent inné pour les jeux vidéo et l'a recruté dans le monde accéléré, il s'est endurci mentalement et physiquement. Ok. Et Sianpile, l'ami d'enfance le plus proche d'Haruyuki et de Chiyori, son avatar de duel bleu est spécialisé dans le combat rapproché, mais est aussi équipé de l'arme améliorée Mât de Battage, qui lance des attaques de moyenne portée. Par le passé, il a trahi la confiance de ses amis et tenté d'assassiner le roi du noir. Mais ils ont trouvé un terrain d'entente et le voilà un membre loyal des Nega Nebulas. Son intelligence innée, sa personnalité analytique et son attachement à ses lunettes malgré la fonction de correction de la vision dans les Neurolinkers expliquent pourquoi Noirneige et Nico l'ont surnommé professeur. Ouais. Et puis c'est vrai qu'il y a Limebell qui l'appelle comme ça aussi de temps à autre. Ok, c'est parti. Bon, avec des Burstlinkers, franchement, les donjons comme ça, ça va assez vite. Surtout que ça a pas l'air très compliqué à niveau 140.
Qu'est-ce que tu fais, Senpai? carrément. Ok, bon, je me débarrasse un petit peu de ce qui traîne. Même si ça sert pas à grand chose. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ok, j'ai touché personne, je crois. Ok, un petit coffre. Avec ça, je vais retourner à l'entrée, je crois. Ouais, c'est bien ça. Ok, Senpai, à toi un peu. Est-ce qu'on est passé par là? On n'est pas passé, mais apparemment, on peut pas aller trop loin. Ok, bravoure. Bravoure d'élément vent, rang 3. D'accord, d'accord. Bon, c'est pas grave. Hein. Je pourrais vendre tout ce que je trouve. Ou convertir certains matériaux en PB, on verra bien. En attendant... Ouais, j'étais pas passé par la droite. D'accord, je suis pas passé par la droite. À partir de l'escalier ici... Ok. なんかさ。ん?昔もこうやって探検したことなかったっけ?小さい頃に2人でさ。ああ。あったね、そういえば。ちーちゃんに内緒で行って、後から泣かれたっけ?そうそう。近所の森の中を探検してたはずが、結局2人で迷子になっちゃってさ。 春が最初に泣き出したんだよね。うん、そうだった。ちなみに僕は最後まで泣かずに春の手を引っ張って歩き続けたんだよ。よく覚えてるな、タク。だんだん思い出してきたよ。あの時僕は僕にもできることがあるんだって思ったんだ。 何言ってるんだよ、タク。俺はいつもタクに頼りっぱなしだよ。今日だって、あの時だってさ。そんなことないよ。あの探検をしようって言い出したのも春だし、今日だってそうさ。君はいつも僕を新しい世界に連れ出してくれるんだよ。タク。だから、 暴走しがちな君を、せめてこうしてフォローできればって思ってるよ。なんだよ!そんな暴走してないだろ!本当にそう言い切れるかい?春、よく考えてごらん。すみません。してるかもです。わかればよろしい。 Ouais, ah j'adore, ça sent vraiment l'amitié entre ces deux-là. Ça fait plaisir à voir, ok c'est quoi ces machins? Un peu plus résistant celui-là. Bon, allez on va pas perdre de temps sur les petits trucs comme ça. Voyons voir ce qu'il y a par là-bas. Coffre violet ici. Pourtant, je l'avais pas récupéré ce coffre. Oh, je l'avais peut-être oublié. Anneau lumineux. Augmente les PV max. D'accord, d'accord. Est-ce qu'il a quelque chose, Senpai? Non, il a pas d'anneau. Il a pas d'anneau.
Silver Crow non plus, mais bon. Tant qu'à faire. Hein. Pour augmenter ses PV. Ah ouais, quand même. 6000. D'accord, d'accord. Brise magie. Taux de magie réduite. Ok. Non, pas ça. On va continuer plutôt. Ok, super. Au moins avec tout ça, ça me permet d'augmenter un petit peu ma jauge de switch. Ok. Ouais. Bon, je suis toujours maudit, mais ça c'est pas trop grave. Si ce n'est que je récupère pas... Ouais, bon, c'est pas grave. Ok, voici notre cible. Allons-y. そうみたいだね。かなり強そうだな。大丈夫。君と僕の連携なら敵じゃないさ。ああ、タク。いつになく自信満々だな。今日はハルと一緒に冒険してるせいかな。僕もテンションが上がってるみたいだ。今ならどんな敵にも負けない気がする。よし、行こうタク。 D'accord, d'accord. Bon, j'ai pas mes jauges de switch, mais c'est pas grave. Ouais, ça c'est vrai, mais le truc c'est que les ennemis aériens, c'est pas facile pour ces deux-là. ありがとう。でも褒め言葉を倒しきった後まで取っておいてくれるかな。 Ouais. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Je vais monter. Allez. Ok, allez, on va en finir. Ah non, c'est pas ça, c'est ça. Oh, t'es sérieux? Il m'a raté le switch, ce boulet. Ah, ça peut arriver. Bon, c'est pas grave. Allez, ça devrait bientôt être fini. À fond. Ah, dommage pour le switch. Attendez. Il y a un coffre. Bon, tant pis. うん。お疲れクロ。パイルもお疲れ。いや、やっぱパイルと俺の連携にかかれば怖いものなしだな。そうだね。あ、報酬ゲットだ。この刻印みたいなアイテム、装備品かな。 Ouais, des espèces de sceaux. Ah, et on récupère El Sian. Alors, déjà, voyons voir un petit peu ce qu'on a récupéré El Sian.
un espèce de seau avec des ailes, jauge de coups spéciaux maximum plus contre PB moins. Augmente considérablement la capacité de la jauge des coups spéciaux, mais réduit la quantité de PB laissée par les ennemis. Ouais, donc moins de PB, mais franchement, ça c'est pour un personnage qui va beaucoup utiliser les attaques, les coups spéciaux, les incarnations et tout ça, et qui ne va pas utiliser très souvent les attaques normales. Et donc ça, je trouve que ça va... Ouais, je vais le donner à Sandpile. Parce que Sandpile, c'est exactement ça. Les attaques normales avec lui, elles sont assez lentes et pas toujours très utiles. Alors que ses incarnations et tout ça, moi, je me sers plus de ça, en fait. Donc, tant pis s'il gagne moins de PB, il aura plus de coups spéciaux. Il pourra faire plus de coups spéciaux. Et ça, ça me va très bien. Donc, c'était quoi ? Mince. Ah mince, bah oui, c'est pas là. C'est pas là, c'est pas là. C'est dans les armes améliorées des Burst Linker. Voilà, Elcian. En plus, c'est sa couleur, donc c'est parfait. On passe à 1400 pour la jauge de coups spéciaux. C'est... Ouais, c'est pas mal. Ah, j'avais l'amplificateur de PB. Ah, c'est ça qui me réduisait ma jauge de... Ouh, d'accord. Bon, je vais lui enlever ça, du coup. Je vais lui enlever... Voilà, Elcian ici, il est à 1600, c'est parfait. C'est parfait. Et donc, ben ouais, un truc très intéressant. Apparemment, un petit peu comme ce qu'on avait vu avec les Pixies, avec Kirito et Klein. Donc, il se pourrait bien que ce soit... Parce que là, c'est pas fini, hein. C'est pas fini du tout, le mystère reste entier. Mais il se pourrait bien qu'on ait déclenché quelque chose qui va se poursuivre encore pendant un petit moment. Donc, on verra la suite plus tard, et pour l'instant... Pour l'instant, en fait, on avait vu un épisode de Paroles de Stréa, c'était le numéro 3. Et le problème, c'est qu'en fait, on n'avait pas vu le deuxième. J'étais allé un petit peu vite sur ce coup, on avait deux épisodes à voir. Si je ne dis pas de bêtises, j'espère que je ne me trompe pas. Et donc, si c'est le cas, ben, c'est le temps de voir la leçon numéro 2, Avatar. お送りする。今回も早速お便りが届いてますよ。教えてネーム、お料理マスターさん。ありがとうございます。 OK, Master Chef, c'est peut-être Egil ça, avec la cuisine. Ah mais non, ça doit être Asuna. La cuisine dans les... Ouais, ça doit être Asuna. Je sais pas. Storea-sensei, Joshu no Kuroyuki-hime-san. Konnichiwa. Konnichiwa. クロユキ姫さんたちにはどうして2つの異なる姿があるんですか?はあ、ついに来ちゃったか! <笑>実は私も気になってたんだよね。ハルユキって結局豚なの?メカなの? どちらでもない。ハルユキ君は劣気とした人間だ。へえ、そうなの? 当たり前じゃないか! <笑>そうだな。どこから話せばいいものか。確かに私たちには2つの姿があるが、それらはいずれも仮想世界のために用意されたアバターなんだ。1つ目はローカルネットワークアバター、学内アバターとでも言おうか。姿を自由に設定でき、 学校などのローカルネットに接続する際に日常的に使用するものだ。春雪くんの場合はピンクの豚くん、私の場合はあの蝶の姿だな。学校に仮想空間があるの? サッチンのいる未来ではVRがすっごく普及してるんだね。ALOで私たちがダミーアバターと呼んでいる姿はこの学内アバターに沿ったデザインのものだな。 パドやアキラは少し違うようだが、あのデザインも悪くない。へえ、そうなんだ。それでそれで、サッチンの黒くてかっこいいアバターは?
ああ、あれはブレインバーストでの戦闘に使用するアバターで、デュエルアバターという。ブレインバーストのプログラムがプレイヤーの深層心理を読み取り、自動で生成されるため、プレイヤーが自由に容姿を設定することはできない。学内アバターとデュエルアバター、2つのアバターの姿が大きく異なるのはこのためだな。デバイスが人の心の奥を読んじゃうの？私やユイも元々はメンタルケア用の AI だけど、さすがに驚いちゃうな。そもそも戦うためのアバターなのに自分で設定できないなんて変わってるね。そうだな。だがそれゆえに、デュエルアバターは多種多様な外見と能力を持っているのだろう。すでに気づいているかもしれないが、デュエルアバターはすべてその名前に色を冠している。 OK, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant, ce truc derrière. Attendez. Scarlet Rain, Cyan Pile, Lime Bell. うん、確かにそうだね。実はこの色には一定の法則性があるんだ。 Ouais, voilà. 青は近接系、赤は遠距離、黄色は間接系、色相は特殊能力の方向性、サイドはその特殊性の高さが示されている。OK. Ouais, donc attendez, je prends deux secondes pour regarder parce que ça c'est très intéressant. Cercle de couleur, nuancier de métal, d'accord, mais sinon, ouais, les couleurs, ça c'est vrai. Le rouge, la distance, Scarlet Rain, Blood Leopard, Ardor Maiden, sauf qu'elles sont pas placées au même endroit. Orange, y'a personne. Le jaune, c'est plutôt les attaques... Les attaques, un petit peu de... Les pièges ou des trucs comme ça, le jaune. Les illusions. Yellow Radio. En vert, Lime Bell, Ash Roller. Ash Roller, il est vert, donc. Il a une couleur qui se rapproche de... Ouais, de Ash, quoi, là. La fumée, le cendré. Mais à la base, il fait quand même partie du vert. Et le vert, c'était plutôt la... La défense. Green Grande, forcément. Skyraker en bleu. Et Cyan Pile. Ok, donc il y a deux bleus différents. Ça, je savais pas ça. Autrement dit, Cyan Pile et Skyraker, c'est pas la même chose. C'est tous les deux du corps à corps, mais la nuance est pas la même. D'accord. Et puis Blue Knight, forcément, qui est bleu. Ensuite, violet, Purple Thorn. Violet, c'est les attaques de zone. Et rose, je ne sais pas. Et puis tout au milieu, White Cosmos pour le blanc. Et par contre, il n'y a pas le noir. Ouais, Black Lotus, point d'interrogation. Et Aqua Kuren, c'est pareil. Aqua, c'est différent. Ouais, c'est très intéressant tout ça. Et puis après, Silver Crow et Chrome Disaster, ils sont pas... Ils sont dans les couleurs... chromées, ouais. Hi, hi! Silver Crow est gin. Mais de quelle couleur est-ce que c'est la couleur? Silver Crow est un peu spécial. Comme lui, le nom de l'équipe de métal est le nom de la couleur. D'accord, les couleurs métalliques. アバターにもよるが、クロウの場合は切断や貫通には強いが、打撃に弱く、腐食攻撃なんかは天敵と言っていいだろう。青とか赤の特性とはまた違うんだね。そうだな。メタルカラーも特殊だが、白、黒、アクアなどまだ不明な点が多い色もある。Carrément. ところで、ねえ、サッチン、デュエルアバターにも ALO のソードスキルみたいなものがあるんでしょ？もちろんだ。どのアバターにも必殺技とアビリティが備わっている。シルバークローを例に挙げると、ヘッドバットが必殺技、飛行能力がアビリティという扱いになる。また少し特殊な例として、強化外装と呼ばれる武器のようなものを初めから備えているアバターもある。シアンパイルのパイルドライバーやアッシュローラーのバイクがそうだ。ああ、あれかっこいいよね。私も欲しいな。強化外装は他にもショップでの購入、
プレイヤー間での譲渡、あるいは争奪という方法でも入手することができる。レベルアップボーナスをつぎ込めば、ニコのように強力無比な強化外装を組み上げることもできるかもしれないな。Ouais, donc en fait, elle a utilisé tous ses points pour améliorer ses... Ben, pour augmenter son arme améliorée, justement. C'est ce qui a donné ce gros machin, l'invincible. ちなみに、ブレインバーストを起動せず、加速するだけなら、学内アバターでも問題ない。加速…ねえ、サッチン、前回でも加速世界って言葉が出てきたけど、あれってゲームだけの話じゃないの？いや、加速というのは、うん、そうだな、説明に入る前に実際に見てもらった方が早いだろう。バーストリンク。今私は加速している。加速とは脳をオーバークロックし、思考スピードを通常の1000倍に加速することだ。つまり現実での1秒を1000秒、約17分として過ごすことになる。故に加速状態では相対的に周囲の動きが極端に遅く見えるようになる。今ストレアは停止しているように見えるが、実際にはゆっくりと動き続けているのだ。前回話した情報に付け加えると、ブレインバーストはこの加速した世界で行われる格闘ゲームということになるな。話を加速に戻そう。周囲が遅くなった状態でも自分は通常通り思考できる。それはつまり人の1000倍の速さで思考するということだ。加速の利用次第で格闘技や喧嘩に勝つことはもちろん、試験で満点を取ったり、ギャンブルでの対象も可能になる。ただし加速には毎回バーストポイントを1消費する。全てのバーストリンカーが必死になる理由、それはブレインバースト、もといこの加速の力を失いたくないからだ。ちなみにバーストリンカーに大人びたものが多いのは、加速世界で長時間過ごして精神年齢が高くなっているためだ。ではそろそろ加速を解くぞ。バーストアウト。ねえねえ、早く見せてよ。ああ、加速の説明なら今終わったぞ。へえ、まだ私何も聞いてないよ。もうすまない。しかしこのコーナーを見てくれている人にはちゃんと伝わったと思うぞ。納得いかないな。こうなったら私だって加速しちゃうから。へい、バーストリンク。な、バーストリンカーではないのに。あ、vous êtes sérieux? Pas mal, pas mal. さあ、これで時間はたっぷりできたから、サッチン、もう一度説明お願いね。ああ、では簡単にな。加速とは思考スピードを1000倍に高めることにより、通常では対処しきれない物事を簡単に対処できるようにする能力だ。なるほど。お料理マスターさん、分かったかな？これが加速なんだって。そもそも違う質問だっただろう。いいか、私たちの姿が複数あるのはそれぞれの用途があるからだぞ。それでは次回もお楽しみに。やれやれ。というか、やはり続くのか。Apparemment ouais, puisqu'on a encore deux épisodes à voir. Pour l'instant, ils sont pas disponibles. Ouais, Masterchef, c'était Asuna, je pense. Et puis ouais, parce qu'étant donné que Brainburst lit le subconscient du joueur, il fait un petit peu ressortir ses traumatismes. Oh, mystification, on a déjà l'épisode 2. Ok. Bon, on va pas s'en occuper tout de suite, mais c'est bon de savoir qu'il est déjà là. En tout cas, ouais, voilà, Brainburst lit le subconscient du joueur. C'est pour ça qu'Haruyuki se retrouve avec un avatar qui est tout mince et grand. Parce que dans la vie, voilà, il est petit, gros, il est un petit peu complexé par ça, et donc... C'est pour ça qu'il se retrouve comme ça.
ça lie les traumatismes et ça fait ressortir quelque chose. Ouais, c'est pareil pour tous les autres, Black Lotus et tout ça. Enfin bref, on va finir avec un petit message quand même, parce qu'il faut qu'on avance dans tout ça. Et puisqu'on avait Silver Crow et Cyan Pyle, est-ce qu'ils auraient pas une petite conversation tous les deux? Silver Crow Klein? Non. Silver Crow Cyan Pyle, parfait. Ils sont là tous les deux. Maintenant qu'on connaît mieux Halo, pourquoi ne pas aller nous promener entre mecs? On peut revenir ici dès qu'on veut, ce serait bête de pas en profiter. Ouais, je suis bien d'accord. Allez, on va voir ça. どうしたの?あそこのアバター、すんごく可愛くないか?ほら、あのインプの子。ある。そんなことマスターに聞かれたら怒られるよ。別にそういう意味じゃないよ。ただ、ALOのアバターメイキングもすごく出来がいいなって思っただけだよ。まあ、今は僕たち二人だけだしね。黙っててあげるよ。 ちなみに僕はあっちのショートカットのケットシーの子の方が好みかな。お前ちゃっかり話題に乗ってくるのな。ねえ、ハル。いつもロングの子ばっかりでちょっとベタすぎるんじゃない? Oh, t'es sérieux. Alors là, Takumu, là sérieux, tu me fais plaisir. Là, tu me fais plaisir. Je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. On a très souvent l'héroïne principale qui a les cheveux longs. Dans les mangas, les jeux vidéo et tout. Et voilà quoi. Non, il a raison, je trouve. Il a raison. いつもって語弊があるような言い方すんなよ。いつもだろ?ゲームでアバター作るときは、だいたい黒髪ロングの女性キャラじゃないか。いやいや、俺は男女両方作ってるだろ!そういうタクこそいつも治癒にの!ハル、そこまでにしてくれ。 なあ、タク。俺たちって趣味思考は違うけど、気は合ってるよな。この流れで同意するのは気が引けるけど、そうみたいだね。おい、キリノジ。なんだよ、突然バーストリンカーの小僧二人を眺めながらため息ついてよ。 いや、ああいう同世代の男同士の会話って、なんか青春してていいなって思ったんだよ。男同士ならここにいるだろ。俺とクラインが。お前たちと俺じゃ年が離れすぎだろ。だと?俺をおっさん扱いすんなよ。エギルとは違うんだからな。 その発言は聞き捨てならないぞ、クライ。分類的にお前も確実におっさんだろ。おっさんだろ。いやいや、別にそんな争いされても困るんだけど。ただ俺、同世代で同性の友人ってちょっとピンとこないところがあって、クライもエギルも大事な友達だと思ってるけどさ、あの二人を見てたら、 そういうのがいてもよかったのかなって思えたんだよ。まあ、確かに思春期の下世話な話ができるなんてあの頃だけだからな。うん、そうそう、確かに10代のガキの特権だな。キリトも今のうちにやっといた方がいいぞ。年取ってからやったら ただのクラインみたいなキモいおっさんになっちまうからね。キモいおっさん、 ah j'adore. そうそう、俺みたいなキモいおっさんになる前に。って俺のことディスるんじゃねえ。アイティ、スイラ、アイジェニアル。そうだな。俺も機会があったら同年代の男友達を探してみるかな。 Ah, celui-là, il était vraiment sympa. Ouais. Excellent. Klein et Gil. Ah, ils sont géniaux quand même, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que... C'est vrai que Kirito, il n'a pas de pote garçon de son âge. Ouais. Bon, enfin, bon. Ok. Bon, ben, avec tout ça,
On a fini un petit peu ce qui était en ville, je crois. Même si on a vu qu'il y a l'event avec Limebell qui vient d'apparaître. Mais il est apparu parce que j'ai fini celui avec Sandpile, donc je pense que on peut se le réserver pour plus tard. Enfin, en même temps, je dis ça, on a fini l'event avec Kirito et Klein, et pourtant, il n'y a pas le suivant. Donc, ouais, on va vraiment attendre encore un peu. Et donc, à partir de la prochaine fois, on va continuer un petit peu le scénario, avec la grotte qu'on a trouvée précédemment, dans les profondeurs de Flusshild, la grotte gelée. On va voir un petit peu ce que cet endroit nous réserve, et du coup, je vais pouvoir profiter des Lucidators un petit peu. On verra bien. Et puis, en attendant, je vous dis bye, salut à tous.